waxaa ku wehelinaya madaxweynaha jamhuuriyadda oo horidiisa marwada koowaad ee dalka Marwo Khadra Maxamuud Xayd oo iyadoo ku wehelinaysa maalintan caalamiga ah ee xuska haweenka. waxaa sidoo kale barbar socota marwada koowaad ee dalka wasiirada kobcinta qoyska iyo horumarinta Marwo Xasan Barkha Daud. maalintan waa maalinta caalamiga ee loo asteeyo haweenka, waxaana ay tahay oo lagu taataabanayaa horo umarka iyo kaalinta haweenku ay kaga jiraan, hadday ahaato dhaqaalaha, hadday ahaato waxbarashada iyo dhinac walba caafimaadka. maanta waxaan odhan karaa in haweenku ay kaalin walba ay buuxiyeen. hobolada gacan macaan ayuunu kala harinayaa heesaha dabacsan inoogu tumaya guriga ummadda. marka dalka loogu jiro aan laga qayb gelinin haweenka ama mujtamaca qayb ka mida la sakooro oo la yidhaaho mataqaanaa in kama qayb qaadanayaan, waana marag munaasabadan maanta iyo qadarin iyo dhiirigelin iyo kalsooni gelin weeyaan. munaasabadan waxaa maanta loo qabanqaabiyey waa ka madaxweynuhu imika soo gaalay guriga ummadda madaxweynaha lasoo lugeynay. Yeah.
Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de gouvernement, Excellence, Madame la Première Dame et Présidente de l'UFD, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des systèmes des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations bilatérales et multilatérales, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, honorables invités, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis 1977, les Nations Unies célèbrent le 8 mars la Journée internationale de la femme. La République de Djibouti la célèbre depuis 2000, soit 15 années de la promotion de la femme djiboutienne. En cette journée de célébration de la 15e Journée internationale de la femme djiboutienne, je voudrais, au nom du ministère, vous souhaiter bonne fête à toutes les femmes djiboutiennes de par le monde et celles de différentes communautés qui vivent en République de Djibouti. La Journée internationale de la femme représente des décennies de lutte pour l'égalité et la justice. Aux quatre coins du monde, elle constitue un moment opportun pour se rappeler les progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et pour revendiquer les changements nécessaires à l'atteinte de cette égalité en droit. Cette journée est l'occasion de nous interpeller sur les acquis, avantages, défis et contraintes que nos sœurs rencontrent dans leur quotidien et apporter une réponse adaptée. C'est également l'occasion de célébrer le courage, la persévérance de celles qui ont joué un rôle significatif dans l'histoire des droits des femmes. Cette journée, plus qu'une tradition, est une concrétisation de la reconnaissance du rôle et de la place de la femme dans la construction d'un avenir radieux et prometteur pour toute la nation. Le thème choisi cette année, « Femmes et justice », n'est pas anodin et nous rappelle que sans justice, il n'y a pas de droit et pas d'égalité. Il y a la discrimination et la violence. Sans justice, il y a la maltraitance et l'exclusion. Le ministère de la Promotion de la Femme s'attache de par ses prérogatives à ce que toutes les femmes djiboutiennes puissent vivre dans une société juste et équitable en donnant les mêmes opportunités à chacun et chacune d'entre nous. Sur ce, je laisse la parole à mon collègue Ousmane pour la suite du programme. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, chers invités, nous allons maintenant commencer la journée proprement dite, la Journée internationale de la femme. Cette journée va commencer par une lecture du Saint-Coran qui va nous être présentée par le cher Omar Al-Jilani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Maintenant, il y aura des chansons sur l'autonomisation des femmes, le parcours que les femmes ont fait depuis ces dernières décennies. Il y aura des chansons de différents groupes, Al-Ghazali, Ga'an Ma'an et Wagari. J'appelle sur le podium la troupe Ga'an Al-Ghazali. السيدة الأولى خضراء المسؤولة
La troupe Garan Ma'an va nous interpréter une de leurs très belles chansons sur la femme. C'est au tour de la troupe Wagari qui va nous interpréter une chanson en afar sur l'évolution de la femme. Thank you.
Hello.
Nous allons visionner un film sur le Grand Prix du chef de l'État. Thank you.
Nous nous excusons de ce petit contretemps de ne pas pouvoir visionner le film rétrospectif sur le Grand Prix du chef de l'État. Nous allons enchaîner avec la suite du programme. Maintenant, nous allons écouter les témoignages des femmes sur les acquis en faveur des femmes dans les différents domaines, tels que la santé, l'agriculture et le travail. J'appelle Mme Nima Moussa, qui représente le ministère de la Santé, pour nous lire son témoignage. Salam alaikum, Excellence Monsieur le Président de la République, Excellence Madame la Première Dame du pays et la Présidente de l'UNFD, Madame et Monsieur les Ministres, Honorables députés à l'Assemblée nationale, Excellence Monsieur les Ambassadeurs et Chefs de mission de diplomatie, Mesdames et Messieurs les représentants des agents des Nations Unies, Madame et Monsieur les représentants des organismes de la société civile, Honorables invités, Assalamu alaikum. C'est avec un immense plaisir que je prends part à cette célébration qui réunit toutes les personnalités de notre pays. Permettez-moi, Excellence Monsieur le Président, d'exprimer ici les efforts du gouvernement en faveur de la femme dans le domaine de la santé. Notre pays, en République de Djibouti, conformément à ses engagements internationaux et nationaux,
et sous l'égide de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, a initié et réalisé plusieurs projets et programmes en faveur de la santé en général et celle de la mère et de l'enfant en particulier. Si je commence par le volet de ressources humaines, le personnel de la santé, du ministère de la Santé ont bénéficié de l'attention des plus hautes autorités du pays. Ceci se concrétise sur le terrain par la promotion des femmes au sein de l'administration centrale et au niveau des instances d'exécution dans les structures de santé. La situation des personnels du ministère de la Santé a fortement progressé, passant un effectif global de 1664 en 2008 à 2500 agents en 2015, soit une hausse de plus de 85% en 5 ans. Aujourd'hui, on note 305 sages-femmes qui exercent plusieurs fonctions, partant celles de prestataires des soins à celles de cadres dans l'administration. De l'établissement d'enseignement du département de la santé et d'autres fonctions comme parlementaires en autres. Actuellement, sur l'ensemble de l'effectif du ministère de la Santé, nous avons comme part de femmes au niveau de l'administration centrale 47 femmes, dont 7 femmes occupent des postes de direction et 13 femmes occupent des postes de chef de service. Au niveau des instances d'exécution, d'exécution dans les structures de santé, on a 48 médecins femmes, 31 techniciens supérieurs tels qu'anesthésistes, kinésithérapeutiques, etc. et 122 infirmières qui œuvrent pour la santé. En matière des infrastructures, au niveau des régions, il y a 5 centres hospitaliers médicaux, 35 postes de santé, 13 centres santé communautaires ainsi que des hôpitaux de référence nationale et régionale qui offrent les prestations de soins. Il y a eu des dotations, des ambulances pour l'évacuation et des équipes mobiles afin d'assurer la couverture des zones rurales difficilement accessibles. Excellence, Monsieur le Président, ces différentes actions mises en œuvre ont permis d'avoir des résultats sur le terrain dans le cadre de l'amélioration des principaux indicateurs des objectifs millénaires. L'indicateur sur l'évolution de la mortalité, de la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, la courbe qui était 131 en 1990 est à 67 pour décès pour 100 000 naissances en 2012, soit une diminution de 48%. L'évolution de la mortalité, de la réduction de la mortalité maternelle, la courbe était 740 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 1990 et aujourd'hui elle est à 383 décès pour 100 000 naissances vivantes. Il y a un plan d'action intégré de la santé maternelle, néonatale et enfantine que le ministère de la Santé a mis en place qui cible l'amélioration de l'accès des femmes et des enfants aux soins de qualité à travers la réduction des barrières et le renforcement des capacités du système de santé à prendre en charge les complications obstétricales et des maladies des enfants par une mise en œuvre d'un paquet d'interventions coût et efficacité afin d'atteindre une couverture de 100% pour le couple mère et enfant. En conclusion, Excellence, Monsieur le Président, ces 10 dernières années ont vu une nette amélioration des principaux indicateurs de la santé de façon globale, mais surtout celle de la mère et de l'enfant, en particulier grâce à des décisions courageuses prises par les plus hautes autorités de ces pays. C'est l'occasion pour moi de réitérer au nom des femmes du ministère de la Santé notre profonde gratitude au président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, pour son engagement dans la promotion de la femme. Que cette journée renforce notre détermination commune et l'engagement de toutes à promouvoir l'avancée des femmes. Vive la Journée internationale de la femme. Bonne fête à toutes les femmes djiboutiennes.
Bonne fête à tous les hommes qui sont leurs partenaires de tous les jours et je vous remercie. Madame Hawa Nour va nous lire son témoignage en arabe sur les acquis de la femme dans ce domaine. Salam alaikum. فخامة الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي السيدة الأولى خضرة محمود حيد رئيس الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتي دولة الرئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد رئيس البرلمان السيد محمد علي حمد معالي الوزيرة حسنة بركات داود وزيرة ترقية المرأة ورفاهية الأسرة أصحاب المعالي الوزراء أصحاب السعادة السفراء أصحاب الفضيلة العلماء الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي يسرني أن قد أتقدم باسم وزارة الزراعة بطاقة تقدير وإكبار لفخامة الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي حيث حققت المرأة الجيبوتية في عهده الميمون إنجازات كبيرة في مجالات مختلفة في المجتمع وأكبر دليل على ذلك وجود وزارة خاصة بالمرأة تهتم بشؤون المرأة والأسرة كما يسرني أن أتقدم ببطاقة تهنئة أخرى للسيدة الأولى خضرة محمود حيد لاهتمامها الكبير في تطوير المرأة الجيبوتية في مجالات الحياة العملية المختلفة ولا شك أن المرأة كانت في أجندة فخامة الرئيس من بداية عهده وقد أوصى فخامته المؤسسات العامة والخاصة بالاهتمام بترقية المرأة وفتح مجالات والتعليم أمامها وانطلاقا من تلك التوصيات فإن وزارة الزراعة جعلت مساعدة المرأة الريفية ضمن أولوياتها لأن مساهمة المرأة في العمل الزراعي تؤدي إلى رفع مستوى المعيش للأسرة وبالتالي دعم برامج مكافحة الفقر والأمن الغذائي مما يساهم في دفع عملية التنمية في البلاد والوزارة تقدم كل ما يلزم الزراعة للمزارعين منها على سبيل المثال الإرشادات الزراعية تقديم الآلات الزراعية بذور الخضر والأعلاف لتغذية المواشي خزانات المياه سعة 1000 لتر لكل من عنده بستان والملاحظ أن 70% من الذين يترددون على الوزارة لطلب المساعدات الزراعية هم من النساء فقط حسب تقدير وهذا العمل ليس عملا سهلا فهو عمل شاق لكنه مثمر وبالرغم ذلك فالمرأة خاضت هذا المجال وحققت نجاحات كبيرة وتحتاج إلى دعم مادي ولوجستي كبير من الجهات المعنية وخلال العامين الأخيرين 2014 و2015 أدخلت الوزارة تقنية حديثة تكنولوجيا حديثة لاستهلاك المياه حيث تعاني البلاد من شح المياه وهو الري بالتنقيط المعروف بجوتا جوت وتم توزيع 400 وحدة على المحافظات على النحو التالي تجر 100 وحدة علي سبيح 100 وحدة دخل 100 وحدة جيبوتي 50 وحدة عرتا 50 وحدة واستخدام هذه الطريقة تقلل من هدر المياه أثناء الري الزراعي وهناك بعض المشكلات الأساسية التي تواجه عملية التسويق المزارعين وخاصة النساء ونقل المنتج من مكان الإنتاج إلى السوق الاستهلاكي لعدم توفر المواصلات اللازمة عند الحاجة مما يتسبب في تلف المنتج الذي لا يقبل التخزين مما يؤدي إلى خسارة المنتج مما يسبب له الإحباط والإحجام عن مواصلة الإنتاج عدم تشجيع المنتج المحلي من قبل المستهلك وهناك بعض الاقتراحات تحت الدراسة لعلها تساهم في تخفيف تلك المشاكل التنسيق بين الجمعيات الزراعية والإدارات المحلية لتوفير المواصلات اللازمة لتوصيل المنتج إلى السوق في وقت مناسب تسليط الضوء من جانب وسائل الإعلام على المنتج المحلي ووفرته وأهميته أمام المنتج المستورد من الخارج حتى يتشجع المواطن لشرائه بدلاً من المستورد وختاماً أقدم شكري لوزارة المرأة على إتاحتهم لي هذه الفرصة متمنى للمرأة الجيبوتية كل التقدم والازدهار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدام عائشة حسن va nous lire son témoignage sur les acquis de femmes au ministère du travail merci Mm-hmm.
Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la ministre de la Promotion de la Femme et du Planning familial, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables invités, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République d'avoir honoré de sa présence cette journée dédiée à la femme. Au nom de la femme djiboutienne, je veux rendre hommage en ce jour symbolique à toutes les actions que vous avez menées, Excellence, pour l'inclusion économique et sociale de la femme afin qu'elle trouve sa place et son rang dans les institutions du pays. La promotion de la femme djiboutienne est indéniablement une réalité, une priorité, un axe de l'action gouvernementale. Le ministère du Travail contribue à cet objectif à travers l'adoption et la ratification des instruments normatifs tels que les conventions internationales du travail de l'OIT qui visent à encourager la participation de la femme à la vie de la cité. Dans les délégations tripartites, la République de Djibouti veille à l'observation de la règle de 30% de participation féminine. Il ressort de l'analyse des données du fichier unique des agents de l'État que l'effectif des femmes correspond à 33% de conventionnés et 25% de fonctionnaires. La place de la femme dans l'administration publique indique que malgré une évolution certaine, leur présence au poste de responsabilité reste à améliorer. Les actes réglementaires vont aussi dans le sens de l'amélioration de la condition de la femme. Ainsi, le décret numéro 60 du 7 mars 2015 fixant les modalités de calcul des pensions proportionnelles qui vient d'être publié répond aux attentes de la femme mariée, mère de famille, de bénéficier d'une pension de retraite anticipée à 55 ans en ayant cotisé seulement 20 ans. Ce texte est une avancée sociale majeure puisqu'il ouvre pour les femmes des perspectives de départ à la retraite avant l'âge limite de 60 ans. Depuis des décennies, malgré que la femme occupe des pans importants de l'économie, elle ne bénéficiait pas de la couverture médicale. À travers la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle, ce vide est comblé. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, certes, beaucoup de progrès ont été réalisés pour l'intégration de la femme dans le développement, mais aussi beaucoup d'obstacles restent à surmonter pour que la femme joue pleinement le rôle qui lui est dévolu. Merci pour l'attention. Salam alaikum. Nous suivrons des poèmes en langue nationale de différentes femmes qui vont intervenir ici. J'appelle Mme Zahra Dahir Okie qui va nous interpréter un poème en langue somali. Bismillahirrahmanirrahim. Bisinka yasinka nabi Muhammad barakadi wahla barton bisin lahayn barakad yelan wa sadba wore ya salam ali wa malinti tirka ho yada talabadi wa malinta dalanay dayu ino furmen wa malinti niye watane musharat kudara Shani yatobanka jirna nigu salamaya Diriyo wa badayo hoifti mayo Otsiga naga bahay sagali ya saga shanki Tani yalla badiku no tirka lagu haflahay Ini fiserka hawenke dhormut katahay Shani yatobanka jirna nigu salamaya Marwada kobaad ma mustalagu mashiyay Hoya mare
ayay magacagu la asmacaan udub dhaxaaday laf dhabaray laysla hubo ini fiseerkeenni iyo sahanka loo fadhiyo shan iyo tobankan jirnaan kugu salaamayaa ini fiseerkeenni iyo sahanka loo fadhiyo haraw markaan gaadhnay howlaha waxaa ka mid ah dheriga ii kari hangoolkii docday dayiil dimoqaraasi helo dahalayga fayd ubaxa waaniga lulaaye darfaha fadhiyaa haraw markaan gaadhnay howlaha waxaa ka mid ah ambasad baa hadduunyada inoo fadhiya ministara yeelaniya maamulnagu habboon xubnaha baarlamaanka xeer baan ku goosanaa haraw markaan gaadhnay howlaha waxaa ka mid ah barba barashuud ku soo degaya milay kastaba barba baylooda duunyada dalxiisu tegay xakina yeelaniya xerka kala gurkaa ciidamada qalabka qaar baa inoogu jira shan la gaadhnaya miyay sharaf inoo dhannayn bayd kalaa qaatayoon baciyoon akhriyey howlahan qabannay qodobyada waxaa ka mid ah ururka hooyada haweenba guntiga u xidhan keeska seebeeg haweenba guntiga u xidhan oo u maamulay sidii manka laga jeclaa barba baabuurka iibsaday sidaan u hubo barba beeraha ka jeexaya daana laba dubay barba tagayay taylaan barba ku maqaan howlahan qabanna qodobyada waxaa ka mid ah xisbiga sharafta leh haweenba guntiga u xidhan gogosho lagu dega haweenba guntiga u xidhan soo dhaway furan haweenba guntiga u xidhan howlahan qabannay qodobyada waxaa ka mid ah mawaashiya reer haweenba guntiga u xidhan xigal iyo gacal haweenba guntiga u xidhan korsiniya ubad haweenba guntiga u xidhan sayidki iyo dogol haweenba guntiga u xidhan howlahan qabannay lama soo qiyaasi karo udub dhaxaad baanihiyo tirka lagu haflaxay rabownooda haweenka ilayska wadaa ficimadaydiiyo ficil bani gelinayaa inamadiiyaan dhallayeen dhabar ka saarnayo hawsha waan qaybtanaye khalad maxaan ku daray diriyo waa badayo xoo iftiimayo kobcintan adigaa sameeyo korsiin ma nihin xumin kastoon leenahaan xer ku doonanaa sidaad noqobatay qalbigan ka faraxsanahay dhalil naga sheegan may sida dhawaaqa celi hoya kaba u kaadso oo kaalintaada joog ducada waan ku hibaynaya mar kala nahano ducada waan ku hibaynaya mar kala nahano geednikii beertihisaga harkiisa gala beernikii beerihisaga mudhaha ka cuna dhalil naga sheegan may sida dhawaaqa celi kaalintaan joogsanaba kafi baan ku nahay kaalintaan joogsanaba abba nagu ilow waxaan ku soo duubay soodkayga dhaxalgalka ducadihii iyo diintu waa darajo lagu haflaxay aabba waan ku ducaynaya dabka ha jiro ilaahow cadowgaaga jabiyo jid ha u banayn ilaahow cawadaada cirdarooray nooga yeel wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat Après ce très beau poème, j'appelle Madame Asiya Mohamed Daher qui va nous interpréter un poème en langue afar. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyusini dadalyani, inkigaba agdable agata, gihlusini biso marhutani, inasini anduritani.
أغتاي عالم السيو هيرو فللي مراحسا عرسات سيو لبهلي إسماعيلي كدراب تفايللي أبينيك تكيم مانغو أبينا نسايو كابني فايلاي فاتولي دوما الحريتا أبينين كاسيتي ديباني أغت أغت غدان غدك يوعونو بسو مرحو ددال يكناغتال taban ke kona karma kasise asa ku geete sayyuda dalai miga malakin nui agi takrageen nahara tini baaru hinali fanna hada dala inki ka mahalla fanna hada dala inki ka mahalna dadala barito ta ku memneerege barteni mu agat biso haitam sayyu barite hukumat at maluktile warkat farite eddefleeni sami geeni agat miglisi sayyoteni adli haral maggarucii arxisa sayyotani baaru habbah galtu asanad keenin mugaacisin unkaa keenkinna agad difaacii dumeeral labhalihiyanin mirigwaay agatal keenik mirigwa agatal keenik loowo mali ay ciseenitee todde habtatani makkaabeenitee kastaxee kasloytiteeni abinal fulale sayyotani baadal naagatihi migacle awliini bura miraaxisa sayyotani habeni kemaloonu isinni faruki baana labhali agatal din kurta sayyotani ismaacilow kayro geeni mango sayyo kadray gaddegey faylalito sayyol anisin haysiinikinta sayyo sinabto dagagedda sayyotiyal asaaki farxataa inayro faylale dalla carisnaah naynabe caafiyadtiya dumaagtayse ullaakiyaal cirre bidaggoowe baritee dakaatiiratikke sayyotani ka horobnee rufu haynu maxalla nayru neecigta macandaynih talabhatani nayru neecigtay nih talabhatani ifrixaay wallita tusii talihtayse ifrixaay wallita tusii talihtayse ani haynu sayyoy ani hay nibaaru habbay gaddegya Une jeune fille âgée de seulement 15 ans va nous interpréter un poème en langue afar. Elle s'appelle, en langue arabe, elle s'appelle Ishaf Nahari. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ونبدا باسم المولى والصلاه على الحبيب وباسم الاسلام الذي عز المراه وعلاها ومن مشى على خطى الهدى ما يخيب وبرعايه الزعيم رفع قدرها وعلاها ولا ننسى حكمه من لها نصيب وهي الاساس في تقدم المراه واستقلالها اليوم انا امامكم فرحا وسرورا في قلبي تمنيت التعبير بمشاعري والنشيد لساني عاجز عن التعبير عن مشاعري نحتفل بيوم المرأة إنجازات وتقدم يحكي وأكثر من هذا نفذه في عهدكم إنجازا كثير وإذا ذكرنا قدوة المرأة فغير السيدة خطرة مستحيل للاستقلال المرأة من قبل كافحنا والتاريخ يشهد عرفنا دورنا والواجب للوطن قمنا بدورا كبير 15 عاما تقدم واستهار متواصل جائزة الرئيس استلمت ودعم من المرأة تلقت في وزارة الدفاع تواجدت وحملت السلاح ودافعت وفي دار القضاء حكمت فأنصفت وعدلت وفي الصحة اجتهدت وعالجت الأم والطفل وعلى نسبة الوفيات قضت أمنية المرأة تحققت وزارة الترقية المرأة أنشئت نائبات في البرلمان أصبحت سفيرات ومستشارات ومكاسب للوطن حققت وفي الرياضة أبدعت مثلت بلدها بالخارج ونجحت ومن نصر إلى نصر أكيد وفي الختام أشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
On va clôturer le poème par un poème en langue somali qui va nous être lu par M. Awale Riraj Hodé. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبيه النمذي إسماعيل عمر قلي ماري قد رحي مروي إيا مضان أيال لغو الصوم ارتقى ذي السلام عليكم هيا لي هيا لي هيا لي هم هيا هيا لي هم هيا لي هيا لي هيا لي هم هيا هيا لي هيا لي هيا هيا لي هيا هذا جبي جاي جدي النحوان هسني اللغضة نولي بين تولي كرويدي موياني هو بالي جبي كي بزدا هيني كريواني أنا ألقي غمضة أمبانك غهريان عمر قد يولك ملايين لتنكيزي هروين تيسبو باليا أيان هنسه وحراي سيدك على انت وقولا على المديرين حبك تيما عدي ايو إن الجدير ووهل من أيان هن إرادة من تنتح بيه دي سيلابتي عالنك نهوغامي إيا هودان تعيدين وكي قميسيقو هانتي أي تاني هاتاني وحونا وهرتو وقتيقا نغا هالي يابا هوي ينينك دي وحو كارا هالي يابا وحو سيليك هرير هامرشو هلينك اوضابا وحن حسين او وقتيقو هاريو ينابا هبر دوبيرين بوكعو نو هلو سياي هدبدنقو مسينين الرقبو هوري نفتو دي لمن باهر راضي اماري هاو كريوني قولد وحو حيبيو هذا جيرا بالك يا باي يا وحدنا هديا إلي ما جاء وحو هذا اللي قيستاب ولي دانونك وعيب هذا السيامب الكي لقو كل ما بوحو وجيقا هيركك عيابا وجيقا هيركك عيابا همين كو إلى حيد ماين هانا اللي قوشين وقول سوه حلو علن كسوهوي والله الرضي مركي هويق اللي تاقي ميسيق لو هبي يماركي هست الله ساري همين كل كلام غيب شيو هيبا دي النور لحال دقيقية هوسر لور داي لقف بالمين تقينا مني ما هوش الله قراي هذا الكو قدون شغل نيري يو هدف كنو جيحي هيا بوا كنرين سين لي هبدي وكي هبي حسبي دا لو هلو سياي ويقي من نميضي اللتقي حصري الدخيل ده هدف مذا احسبتي مركي هلي قلو جيدي اربي بين اللو هرتي هذا الكوكوية ده همين كلا اساسيو وقتي هاتا لغا جوغو صدوني يشنتا لغو هرتا هلين كاتوس ناي ده كوي سوحل قمي ايا كوي اهوري مالكو ده وحير بي هوادو مرتا هانا ضياشي ده روح باكو مهرايو ادون واهر قرابي الهي جنة ده هو هولو هويق آخراي هل دقيقة وين انقران الو هدينا هل يغنين نصي هيانا هدان هو لنا هايو هين كان كو غرو ودان كو هن ويناي همين دالا ديان لو ودان كو هن ويناي مر افرادنا ينصي هيان هو كالينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ودي مانتان دورت كاترم دي مانتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous allons commencer le discours officiel.
J'appelle Madame la Secrétaire Générale de l'UNFD, Madame Hawa Jama Oli, pour le premier discours. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, Excellence, Madame la Première Dame, Présidente de l'INFD, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Ministre de la Promotion de la Femme, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des agences internationales et nationales au développement, honorables invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un réel et immense plaisir corrélé d'une fierté ineffable que je vous souhaite chaleureusement à tous la bienvenue au nom de la présidente de l'INFD, en mon nom et au nom de toutes les femmes membres de l'INFD, par cette journée mémorable organisée en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Femme, dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme, placée chaque année sous le haut patronage du président de la République, son Excellence José Ismaël Omar Guelleh. En effet, cet événement majeur dans la vie de notre nation, devenu indubitablement une tradition pour tous les Djiboutiens, mettra cette année l'accent sur la déclaration et le programme d'action de Beijing. Une feuille de route historique signée par 139 pays gouvernés il y a 20 ans, laquelle met en exergue le programme d'action pour la réalisation des droits des femmes. À cet effet, le thème de la Journée internationale de la femme retenu cette année met en avant l'appel vibrant lancé par l'ONU Femmes dans le cadre de sa campagne Beijing plus 20, autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité, imaginez. Il est prévu une marche pour le 10 avril. De milliers de jeunes filles et de femmes djiboutiennes s'élèveront pour dire « Restons en marche pour un avenir radieux ». Aussi, il est sans conteste qu'il est opportun, bien que des progrès considérables aient été accomplis, de profiter de cette occasion pour vous présenter les bilans de la situation de la femme dans la société djiboutienne. Monsieur le Président, depuis sa création en 1977, l'INFD a milité pour l'unification des femmes djiboutiennes, leur pleine intégration et participation active au processus de développement et de surcroît leurs droits et leur place dans une société patriarcale. À cet effet, malgré que la majorité des femmes de l'époque étaient confinées aux tâches domestiques sans pouvoir décisionnel, peu instruites et donc peu ou pas associées ou consultées dans la gestion des affaires de la famille, voire de la communauté et bien sûr de la nation, les pionnières de l'INFD ont repris les bâtons des pèlerins pour un nouveau combat acharné, destiné à affranchir leurs congénères de l'ignorance et de l'obscurantisme. Par ailleurs, je peux vous dire que l'INFD est une association en phase avec la société. C'est une association qui fait avancer celle-ci, comprendre la société, savoir se mettre au diapason de ses difficultés, c'est se donner les moyens d'agir pour la changer positivement. Et c'est sous la présidence de la Première Dame, Son Excellence Mme Khatra Mohamed Haïd, que l'INFD a inéluctablement brillé et de manière fulgurante dans son rôle d'avant-gardiste pour la protection et la promotion des droits des femmes djiboutiennes. En effet, la Première Dame, mise par sa magnanimité et son ardeur légendaire, assise dans ses processus, insuffler avec une conviction inébranlable un nouvel élan de modernité et de solidarité
afin que la femme djiboutienne puisse se conformer à l'évolution de la cause féminine dans le monde sans se défaire de ses croyances culturelles et religieuses. Donc, mesdames, mesdemoiselles, est-il besoin de consacrer à la femme une journée pour prendre conscience de son existence, de la place que l'on occupe dans notre société, du rôle de plus en plus important qu'elle joue dans la vie sociale, politique, économique et culturelle du pays? C'est à vous de répondre, cher monsieur, à cette question. Nul doute que vous avez la réponse, mais je vous encourage à l'exprimer avec force et conviction en disant bien sûr que non. Soyez donc à nos côtés et restez attentifs en tant soit peu à ce que font au quotidien le millier de femmes que compte l'INFD pour améliorer les conditions de leurs semblables. Nous vous invitons également à visiter notre site web pour s'informer et découvrir les actions majeures entreprises par notre institution depuis sa création. Monsieur le Président, comme l'a coutumé chaque année, un thème est retenu au niveau national pour commémorer la Journée internationale de la femme. Celui de cette année est « Femmes et justice ». On ne peut que s'en féliciter. Aujourd'hui, les femmes djiboutiennes sont avocats, substituts des procureurs, greffiers, gardiens de la paix. Qui sont ces femmes qui, chacune à leur manière, signe d'une évolution remarquable, cette entrée en masse de femmes au sein du monde juridico-judiciaire interroge. Qui sont ces femmes qui, chacune à leur manière, œuvrent pour un meilleur exercice de la justice? Eh bien, elles sont dans la salle. Elles sont fières de représenter la gente féminine dans cet espace réservé, jadis réservé aux hommes. Quant à moi, je suis particulièrement contente de vous révéler aujourd'hui les actions fort louables que mène la cellule d'écoute d'information et d'orientation dont l'objectif est de venir en aide aux filles et femmes victimes de toute forme de violence, de les accueillir, de les écouter de manière attentive, dans un climat de confiance, de les informer sur leurs droits fondamentaux en leur apportant un appui nécessaire et enfin de les orienter vers les institutions et services appropriés en leur facilitant les démarches. J'en profite d'ailleurs pour adresser mes vifs remerciements à nos partenaires ici présents, ministre de la Promotion de la Femme, de la Justice, des Affaires musulmanes, de la Santé et les FINIAP pour leur appui constant. Le nombre de victimes accueillies en 2014 et 2005, toutes formes de violences, ce sont des violences conjugales, harcèlement moral, cas de violences physiques et sexuelles. Notre approche est de documenter les cas de violences à Djibouti et de démontrer l'incidence de la violence, identifier les types de violences récurrentes, avoir des données pouvant permettre aux différentes parties prenantes, gouvernement et société civile, de prendre action. Il est prévu une sensibilisation large des médias à l'utilisation de cette plateforme pour en faire des articles, dossiers de presse, autres reportages, afin de soutenir les plaidoyers directs que nous faisons auprès des autorités, afin non seulement de prévenir cette violence, mais aussi d'assurer l'accès à la justice, aux soins de santé et à la réhabilitation sociale de ces femmes victimes de violences. Nous ambitionnons de mettre en place, Inch'Allah, les antennes de cette cellule dans les différentes régions de l'intérieur. Monsieur le Président, vous avez inauguré cette cellule le 8 mars 2007 et votre engagement a porté ses fruits. Car je peux vous dire que l'équipe est restée aussi mobilisée et déterminée à combattre les violences sous toutes ses formes. Quand une femme victime de violence franchit la porte de l'INFD, elle s'y sent en sécurité. C'est parce que nous bénéficions également des conseils avisés et du soutien indéfectif de notre présidente qui s'est particulièrement attachée à agir pour apporter des solutions concrètes aux difficultés rencontrées par ces femmes. Je ne saurais clore mes propos sans adresser au nom de toute l'équipe de l'INFD mes sincères remerciements à notre président et à notre première dame pour leur engagement à nos côtés afin de promouvoir les statuts de la femme djiboutienne. Vive l'INFD, vive notre présidente, vive le président de la République, vive la République de Djibouti. Je vous remercie de votre attention.
J'appelle Madame la représentante de l'UNICEF, coordinatrice du système des Nations Unies par intérim, Madame Maritzel Relano. Salam alaikum. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Madame la Première Dame, Présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Excellence, Madame la ministre de la Promotion de la femme et du planning familial, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la Secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, et représentants des agences des systèmes des Nations Unies à Djibouti, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales, les représentants des ONG nationales et internationales, Mesdames et Messieurs. C'est un réel plaisir de commémorer avec vous la Journée internationale de la femme, célébrée depuis 1975 par les États membres de l'ONU. Je voudrais dédier cette journée à toutes les femmes sans exception. À tous vous, je vous adresse mes félicitations parce qu'être une femme n'est pas toujours facile. Grâce à la détermination du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, des accomplissements remarquables ont été réalisés dans les demandes de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes à Djibouti. De notre côté, je voudrais vous assurer l'engagement commun du système des Nations Unies auprès du gouvernement pour l'accompagner très étroitement dans ses efforts pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes, notamment les plus vulnérables. Avec votre amable permission, j'aimerais vous restituer in extenso les messages du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, à cette occasion. Dans son message, le secrétaire général déclare, et je cite, en 1995, alors qu'une conférence internationale historique se tenait sur les droits fondamentaux des femmes, les conflits ravageurs en ex-Yougoslavie avaient suscité une attention bien méritée quant aux viols et autres crimes de guerre commis contre les civils. 20 ans plus tard, tandis que des files de 7 ans non seulement sont visées par des extrémistes violents, mais leur servent des armes, on pourrait facilement s'interroger sur les bien fondés des rencontres internationales. Mais si le chemin à parcourir pour accéder à une égalité pleine et entière reste long, l'objectif central étant de mettre un terme aux violences sexistes, les progrès accomplis ces 20 dernières années figurent parmi les résultats incontestés de la Conférence mondiale sur les femmes. Depuis l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing, jamais autant de filles n'avaient eu accès à l'éducation. Le nombre de femmes qui meurent en couche était pratiquement réduit de moitié. Les femmes sont toujours plus nombreuses à diriger une entreprise, un gouvernement ou une organisation internationale. Avancée dont je ne peux que me féliciter. Dans le même temps, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, il nous faut admettre que les gains ont été lents et inégaux et que nous devons en faire bien davantage pour accélérer les progrès partout. Le monde doit s'unir lorsque des femmes et des filles sont prises pour cible par des extrémistes violents, par exemple au Nigeria, en Somalie, en Syrie et en Irak, des corps de femmes sont mis en champ de bataille des combattants au service de ces stratégies précises et systématiques, axées souvent sur l'appartenance ethnique et la religion. Des femmes cherchant à exercer les droits à l'éducation et à des services de base sont attaquées. Elles sont violées, transformées en esclaves sexuels, données en prime à des combattants ou échouées dans des réseaux de traite opérés par des groupes extrémistes. Des femmes médecins, des infirmiers et des autres sont assassinées dans l'exercice de leurs fonctions. Les défenseurs des droits de l'homme et les défenseurs des droits des femmes qui ont le courage de dénoncer ces atrocités risquent de perdre la vie au service de la cause. Nous devons nous ériger clairement contre cette attaque tous azimuts qui vise les droits fondamentaux des femmes. L'horreur ressentie par la communauté internationale doit céder la place à des mesures concrètes, y compris une assistance humanitaire, une aide psychosociale, un appui aux moyens de subsistance et une action visant à traduire les auteurs de ces actes en justice. Si les femmes et les filles sont souvent la première cible d'attaque, leurs droits doivent figurer au cœur de la stratégie visant à résoudre ces problèmes croissants et effarants. Donner des moyens d'action aux femmes et aux filles, c'est le meilleur espoir d'accéder à un développement durable après un conflit.
Elles sont le moteur idéal de la croissance, le meilleur espoir de réconciliation et le rempart le plus efficace contre la radicalisation des jeunes et la perpétuation des cycles de violence. Même dans des sociétés en paix, trop de filles et de femmes continuent de faire l'objet de violences au sens de la famille, de mutilations génitales et d'autres formes de violence qui sont traumatisantes pour l'individu et portent préjudice à la société tout entière. La discrimination est un obstacle de taille qu'il faut démanteler. Il nous faut élargir les possibilités, notamment dans les domaines politiques et commerciaux. Il nous faut modifier les mentalités, tout particulières des hommes, et les engager à promouvoir activement les changements. Notre volonté doit s'accompagner d'une mobilisation des ressources, étant entendu qu'un investissement dans l'égalité des sexes produit des progrès économiques, une inclusion politique et sociale et des autres bienfaits qui, à leur retour, favorisent la stabilité et la dignité de l'être humain. En cette année charnière pour la progression de la cause des droits fondamentaux des femmes, la communauté internationale ouvre dur afin de mettre en place un nouveau programme de développement durable qui fasse fond sur les objectifs du millénaire pour le développement et élabore des politiques et des investissements sociaux pour la génération future. Afin d'être réellement porteur de changement, le programme de développement pour l'après 2015 doit établir des priorités en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes. Le monde ne pourra jamais atteindre pleinement ses objectifs si la moitié des habitants de la planète ne sont pas en mesure de réaliser leur potentiel. C'est en libérant le pouvoir des femmes que nous pourrons garantir l'avenir de chacun. Fin du discours. Excellences, messieurs, madame et messieurs, je clôt mon propos et vous souhaite à tous et à tous une bonne fête aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.